Bonsoir Thomas. Bonsoir. Nous sommes donc à la fin du quart de finale de l'Europe Cup, nouveau nom de l'ETTU Cup. C'est une compétition que tu connais puisque tu avais accompagné l'équipe en finale et toute l'épopée victorieuse il y a deux saisons. Cette fois-ci, tu as joué donc ce soir en numéro 3. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de l'expérience de ce match où tu as particulièrement bien résisté, en tout cas moi j'ai trouvé. Donc quel est ton ressenti sur ce match-là? Forcément au début j'étais un peu stressé. Et avec tout le public, tout ça, l'air de jeu, tout ça, c'était différent d'habitude. Mais du coup j'ai réussi à m'adapter assez vite, je trouve. Et à me libérer, j'ai aussi enlevé le public de ma tête, j'ai essayé de me concentrer sur moi et sur mon jeu. Et du coup, je suis assez content de moi, même si j'ai perdu, mais j'aurais bien aimé peut-être gagner un set. Mais bon, je suis assez content de moi, j'ai bien joué. Donc c'était cool. Et justement, on t'a senti pas loin, en tout cas jusqu'à parfois des 7-7, peut-être au premier set d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses qui a pu manquer? Est-ce que tu vois une différence ou enfin voilà, est-ce que c'est sur le rythme, la technique, la puissance? Je sais pas, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Il y a plusieurs choses. Je pense déjà service remise, c'est bon. Il a servi, il a réussi à me gêner sur le service. J'ai fait quelques erreurs dans le set qui a fait que au final il y a 11-7 et du coup je perds à 4 points, mais je fais 3 fautes de remise. Après il a fait les deux meilleurs choix au moment où fallait bien jouer. Et forcément il a aussi 3 ans de plus que moi, il est plus physique, tout ça. Donc j'ai le temps pour essayer d'acquérir cette expérience et tout ça. Ok, t'es optimiste sur les 3 ans, là tu vois le peu de différence qu'on pourrait voir, donc c'est à ta portée, même plus tôt que ça, on pourrait dire. Ouais, j'espère en tout cas. Je vais parler un petit peu de Tristan, c'était son retour ce soir. Je pense que tu l'as déjà vu jouer, mais disons qu'il a eu des périodes d'arrêt. Ces dernières années. Et donc toi, enfin, qu'est-ce qui t'a marqué sur ce retour en ne l'ayant pas vu jouer, enfin, comme nous tous, pendant ces deux dernières années? Comment tu as vécu son retour ce soir? J'étais impressionné parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de match comme ça, et de revenir, il a super bien joué, je trouve. Enfin, je sais pas, je l'ai trouvé comme s'il avait joué comme ça depuis 2 ans d'affilée sans s'arrêter. Donc ça m'a impressionné. Surtout ça en fait. Ok. Le match retour, c'est vendredi prochain, je crois. Ouais. Comment tu vois les choses pour ce match retour? Moi j'y serai pas du coup, mais du coup ce sera Flavio qui joue en Italie. Et franchement je pense que ils peuvent gagner, je pense. Franchement, on l'a vu ce soir, donc je pense qu'ils peuvent refaire un match identique comme ça. Donc, je pense que je suis positif pour ce match. En fait. Ok, je te remercie Thomas. Non.